Hello les amis, comment allez-vous? Eh bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un spécial carte, car j'ai tiré ce tour de magie d'un tour d'un grand magicien. D'ailleurs, vous trouverez dans la description son nom, le nom de son livre, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à tout de suite. C'est un effet qui se réalise uniquement avec 4 as et 3 cartes à points. Et l'histoire, c'est de faire voyager les as. Premier as de pique entre les cartes à points. Je le laisse un peu agir et au bout d'un moment, il se passe quelque chose car l'as de pique remonte à la surface. Magique. Pareil pour l'as de cœur. Entre les cartes à points, je vous montre bien l'as de cœur. Il suffit simplement d'appuyer, de remuer et d'attendre. Et au bout d'un moment, l'as de cœur remonte aussi à la surface. Ça se réalise uniquement avec 3 cartes à points et 4 as. Troisième, l'as de trèfle. Si on ne fait pas le mouvement, rien ne se passe. Rien ne remonte à la surface. Il suffit d'attendre, de remuer. Et au bout d'un moment, l'as de trèfle remonte aussi à la surface. Pour le dernier, ce que je vous propose, c'est de faire différemment. Regardez. Insérer entre les cartes à points. Ici, rien dans la main, sur la table, je mets le paquet bien au milieu. Et pour le dernier, je me propose de le faire voyager invisiblement sur la table. Ne clignez pas des yeux, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Regardez. Ça y est. Là, c'est parti pour voyager sur la table. Vous ne croyez pas? Eh bien, vous avez raison, car j'ai de nouveau mes 4 as dans ma main, car sur la table, nous avons, eh bien, uniquement les cartes à points. Un voyage s'est bien effectué, vous trouvez pas? J'espère que ça vous a plu, c'est un superbe effet, vous trouvez pas? Likez, commentez, laissez-moi un petit commentaire, c'est vrai, ça fait toujours plaisir, et puis ça me permet d'avancer. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tour, je vous salue et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!